Salut tout le monde, c'est Thomas Soulier, on se retrouve aujourd'hui sur Catherine pour le troisième épisode du Let's Play. Donc je fais le troisième épisode un peu tard par rapport aux deux premiers parce que tout simplement j'avais plus le PlayStation Plus parce que je joue à Catherine grâce au PlayStation Plus. Et donc vous devez remarquer quelques différences au niveau du micro déjà et puis aux actualités du jour aussi. Je vais peut-être parler des choses un peu rien à voir par rapport aux deux épisodes précédents. Du coup voilà, donc dans l'épisode 2 on s'était laissé au bar. Alors je sais plus trop ce qu'on avait fait. Je vais regarder peut-être le téléphone. Alors j'avais reçu quelques messages de April. Super nouvelle, cher Vincent. Ah oui mais ça c'est les messages qui servent à rien. Du coup on s'en fout. Alors j'avais dit aussi que j'aimerais avoir un karma ni méchant ni gentil. Je voulais rester neutre. Alors ça, je vais essayer de le garder. Donc deux fois je vais répondre méchamment, deux fois je vais répondre gentiment, on verra. Donc ça, pour ceux qui le savent pas, c'est une borne d'arcade. Donc on peut jouer au jeu Rapunzel, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ouais, voilà, faites une partie. Et donc en fait, c'est un peu pareil que quand on est dans les cauchemars, mais sauf que c'est un peu, je vais vous montrer. C'est un peu genre rétro en fait, c'est les anciens jeux. Alors, on va faire vite fait une première partie, mais vraiment vite fait. On va mettre le stage 1. Voilà, donc là il y a la princesse avec le nez, c'est Pinocchio. Allez, on va passer ça, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer le gameplay de la petite borne d'arcade. Alors, free play. Ah, je peux jouer gratuitement. Alors, comment on joue à Catherine déjà? Ça fait longtemps. Ah oui, comme ça. Voilà, donc ouais, c'est un peu comme, c'est le même principe, sauf que ouais, c'est en mode rétro. Et puis c'est un prince qui fait 230 kilos. Voilà, bon bref, on va quitter. On a réussi le premier niveau en 2 secondes. Alors, comment on fait pour quitter? Sauvegarde, pourquoi ça sauvegarde? Alors, mais il me semble que c'est un peu hardcore cette borne d'arcade, parce que moi j'étais resté bloqué au niveau 3. Donc c'est pas fameux. Alors comment on fait? Voilà, cancel. Ah non, je peux pas. Je peux pas quitter. Give up. Ah si. Continue, non. Allez. Non, allez, on s'en fout, franchement. Rapunzel. Fin de la partie, voilà. Alors, on va aller dans les toilettes parce qu'il y a toujours quelque chose à faire au niveau du lavabo. Qui fait un peu flipper d'ailleurs. Et ouais, vous allez voir, en fait, on voit des choses un peu choquantes. Alors, c'est parti. Alors, il y a le jukebox à côté, on peut juste changer de la musique, mais bon, ça sert un peu à rien, c'est rien que je vous montre. Alors, regardez. Voilà, par exemple, il y avait du sang et tout, donc c'est un peu chelou. Avec une tête de bébé, bébé fesse, là. Alors, là, on va aller là. On va faire caca, non, je déconne. Voilà. Non, on va sortir. Non, pas le téléphone, je m'en fous du téléphone. Bon, là, on se balade un peu dans le bar, ça sert à rien. On va parler un peu à tout. Non, j'ai pas envie de leur parler, ils sont pas beaux. On va s'asseoir là, voilà, on va parler à eux. Ah oui, il faut toujours boire pour avoir l'anecdote du soir. Alors, on va boire le verre en entièrement. Allez. Voilà, sans plus tarder, voici quelques anecdotes. Maintenant que vous avez fini notre verre. Rome Coca est en fait un surnom. Connaissez-vous le véritable nom de cette boisson? C'est le Cuba Libre. Le Cuba Libre! Le rhum dans cette boisson représente Cuba. Ouais, ça va, je m'en fous. On s'en fout.
Non, je veux pas boire. Je veux juste... Non. Merde. Ah, je voulais pas... Bon, j'ai pris un cocktail, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Merci, Erika. Oh, on peut zoomer. Ah non, on peut pas zoomer, on peut déplacer la caméra. C'est sûr qu'on peut. On peut regarder ses fesses. Alors... est-ce que je peux partir du bar directement ou pas? Non, à partir du bar. Retourne à la maison. Hé, hey, tu rentres chez toi? Oui, il faut que je file. Allez, je file. Allez, oh, c'est Rika. Alors, je suis un peu perdu dans l'histoire quand même là. Je sais même plus ce que je dois faire. Ça ira mieux après, après le cauchemar qu'on va faire là, normalement. Bon, là, il y a cinématique, donc je vais me muter. My mother's been calling me up and asking how we're doing. Well, you don't want to marry your girlfriend? I don't just sleep around. I came here because I like you. Nightmare. C'est déjà le troisième, sachant qu'il y en a 7 je crois, plus le boss, ou alors c'est le 7ème, c'est le boss, je sais plus. Ça fait trop longtemps que j'ai plus joué à Catherine, ça doit faire au moins 4-5 mois. Stage 3, Torture Chamber. Le parcours de l'escalade périlleuse commence ici. Les blocs pièges s'activent lorsque vous montez dessus. Ne vous y arrêtez pas. Ça fait flipper ça. Il y a des moutons, c'est incroyable. Bon allez, c'est parti. Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué là, ça fait du bien. On va essayer de pas mourir bêtement quand même. Voilà. Est-ce que j'ai gardé mon esprit de PGM dans ce jeu ou pas? Ouf, j'ai fait crever là. Voilà. Je vais faire justement comme ça. Ça va être easy là. Voilà. Edge. Voilà, je vais ça. J'aime bien faire cette technique. La musique elle est bien, franchement. Des niveaux. Oh, là je sais pas si je fais bien. Putain! Oh, comme il est mort, lui! Chef! Je suis un enfoiré. Ah, lui aussi! Bien fait pour toi, espèce de cochon malade. Ah non, t'es un mouton. Ah, par ici, voilà. J'entends la sonnerie! La sonnerie, elle est là! Putain, j'ai toujours autant de skills sur ce jeu. Ou pas. Voilà. Normalement j'ai un truc d'or ici là, je pense. Le trophée en or. Ah non, en argent, c'est bon. Je suis dégoûté. Ah mais je suis en facile, peut-être. Ouais, j'aurais dû. Quoique en fait. Ah oui, c'est vrai, là il va falloir que je parle à toute la famille des moutons là. Et lui il est par terre, affalé comme une merde là. Alors, on va sauvegarder. Alors, c'est la sauvegarde numéro 7. Ça, il faut pas que je l'oublie. 7 comme, je sais pas, quoi. Alors là, il y a le mouton Napoléon, là. J'ai une technique. La technique, oh, je les connais, les techniques. Ça me sert à rien.
Ça, on va le passer. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est bah, de continuer tout simplement. Talk, mouton marchand. Voilà, ça, c'est des petits objets. Je sais pas si je vous ai déjà expliqué. En fait, ici, on peut acheter des objets qu'on utilise dans les maps. Enfin, dans les maps, je sais pas comment dire. Quand on joue, quoi. Et il y a des checkpoints, des blocs. Il y a des livres de magie. Etc. Enfin, il y a plein de choses, ça vous découvrirez par la suite, les objets. Et donc, on va parler au confessionnal. Avez-vous déjà été si excité, quoi, que vous avez déjà saigné? Avez-vous déjà saigné du nez d'excitation? Ça, on n'est pas dans un manga, je suis désolé. Non. Par contre, il faudra que je mette oui, enfin, il faudra que je mette une réponse du côté obscur de la force pour après. Parce que là, je vais trop dans le gentil, en fait. Je suis trop un homme au bon cœur. Vous voyez? Faut que mon esprit Sasuke sorte de moi. Fine. Dommage qu'on n'a pas les voix japonaises. Parce qu'elles sont vraiment bien faites. En plus, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. Elles sont vraiment bien faites. Nous, on est obligé de se choper les voix anglaises là. Bon, même si les doublages sont bien en anglais, franchement, honnêtement, ils sont bien faits. Mais bon, j'aurais préféré avoir quand même les doublages jap. Alors, ils ont tous répondu non à la majorité, enfin quasiment. Il y en a qui ont répondu eh bien, donc tout cela, c'est des mythos, je tiens à le préciser. Parce que si on saigne du nez d'excitation, on est pire qu'un pervers, hein, à mon goût. Certains blocs sombres peuvent être déplacés, d'autres non. Ah oui, ça je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui ai créé le jeu en fait. Non, je déconne. Donc vous voyez, en fait, il y a des blocs là. Ils ont des têtes cheloues. On voit un bloc marron. Celui-là en face de moi. On peut pas le déplacer, regardez. J'essaye, je peux pas. Par contre, celui-là, là, je peux regarder. Voilà. Celui-là, je peux le déplacer, du coup. On le déplace lentement, mais on peut le déplacer. Ça peut être bien de temps en temps, mais bon, c'est pas la meilleure solution non plus. Alors là, c'est petit à petit. Oula, ça va être chiant ici. On va faire comme ça, voilà. Tac. Je sens qu'après, dans les prochains épisodes, on va plutôt galérer comme des merdes dans ce jeu. Tiens, là, il y a un bélier, il a des cornes de ouf. Tiens, tombe. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Ah voilà, au moins moi je peux monter. J'aurais préféré qu'il meure comme une merde, moi ça aurait fait un kebab. Vu que j'ai un peu faim là actuellement. Alors, voilà. Tranquille, pour l'instant c'est facile. C'est pas très dur. Voilà, on va continuer de ce côté-là, hein. Il est où mon perso là? Putain, ça serait trop marrant quand même qu'ils mettent, s'ils fassent, je sais même plus parler français. Si ce jeu existe en multijoueur, ça serait trop marrant. On serait là à se pousser et tout, ça serait trop, un truc de fou quand même. Ça, je vais le prendre. Ça, je prends ça à la place. Je sais pas pourquoi. Hein. J'aurais peut-être pas dû en fait. Alors, regardez la technique de ouf là. On fait comme ça et on le pousse là. En fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah non, quoique c'est bon. C'est bon. Quoique c'est pas bon. Ah si, c'est bon. En fait, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, voilà. Saisir! Ouais, ça va, ils enchaînent plutôt rapidement pour l'instant les niveaux.
sais pas combien de minutes de vidéo on est, je vais voir ça. Alors, ça va, on a 15 minutes, c'est plutôt pas mal. On va peut-être même finir le cauchemar dans cette vidéo. Ta-da. Par contre, ils mettent des musiques assez connues, je trouve, dans le jeu. Enfin, c'est des musiques que j'ai déjà entendues, en tout cas. Par contre, celle-là, non. C'est pas mon style de musique. On va sauvegarder. Sauvegarder. Alors, voilà, remplacer données, pas de soucis. Voilà, sauvegarder ici, tranquille. Alors là, il vend quoi, lui? Ah, bah, il est plus, le vendeur, il est plus, il est décédé comme une merde. Ou alors, il est justement pas, juste pas là pour cette fois-ci. En tout cas, l'ambiance, là, ça fait flipper, là. Regardez, on voit les moutons qui sont accrochés comme des merdes, là. On dirait des kebabs qui sont en train de cuire. Voilà, si vous voulez un kebab, ben vous jouez à Catherine. C'était la parole philosophique du jour. Alors, dans le confessionnal, on peut faire ce qu'on veut. Oh putain, ça a tremblé. Ça va. Ça, excuse-moi, je m'assois. Afraid. Only make me suffer longer. This is the fourth question. Fourth question. Alors, qui serait responsable si vous étiez infidèle? Bah, ça serait la faute de la personne avec qui j'ai été infidèle. Elle aurait pas dû me chauffer, hein, écoute. Ouais. Non, je déconne, c'était juste pour rentrer dans le... C'était juste pour se remettre en mode un peu méchant. Sinon, j'aurais mis que c'était ma faute, voyons. Je suis tout à fait honnête dans ma vie, hein. Je suis honnête. Je n'ai jamais trompé de meuf, je veux dire. J'en ai jamais eu même, c'est bon. Non, je déconne. J'ai complètement pété les plombs. Et donc ils ont tous dit ça serait ma faute. Ça va les mecs, mythos là, c'est des gros mythos dans cette vie de merde. Ça, les gens qui jouent à ce jeu, c'est des menteurs, mais putain des menteurs. Bah là c'est le boss, hein, je crois d'ailleurs. Dernier étage, ouais, c'est le boss. C'est le bébé en forme de cul là, ou je sais pas quoi. Déjà, il fait des mots chelous. Genre, on dirait qu'il jouait le truc. Ah ouais, voilà, c'est le bébé en forme de cul, là. Bonne grosse fesse, là. Un peu dégueulasse, quand même. Allez, c'est parti. Alors, ce boss est... Je sais plus s'il est chiant, celui-là. Oui, je crois qu'il est chiant, en plus. Oh, putain, non. Il me semble qu'il est chiant, mais en mode normal. Je sais plus, putain. Enfin, si, il me semble que ça, il est faisable, mais en... Ah oui, là, il faut que je me mette dessous. Voilà, tranquille. Faut pas se faire toucher par ça, parce que... je sais pas ce que ça fait. Mais il faut pas se faire toucher. Tout simplement. Mais ça, il me rattrape vite, putain. J'ai même pas le temps d'avancer. Non. Oh, j'ai failli me faire toucher. Alors vas-y, ça, allez monte. Comment je fais là? Comme ça? Ah oui, comme ça, tout simplement. Voilà, tac. Alors là, ça va être... Non, je suis mort. I'm dead. Putain, mais je suis deg. Mais je suis con aussi, moi. Putain. Allez-y, lancez-moi des tomates dans la gueule. Dites-moi que je suis nul. Ça fait quoi les cœurs là? Ça m'a touché mais ça m'a rien fait. D'accord, en fait c'est des cœurs. C'est son amour envers moi, tout simplement. Je sais pas. Honnêtement, je vous avoue que là. Ouh!
J'aime pas, j'aime. Mais comment je fais là? Voilà, écoutez. Voilà, on va faire comme ça. Ah, mais voilà, on a réussi. Je savais pas trop quoi faire. Hein. Voilà. On va avoir la musique de fou là. On dirait la musique de la Ligue des Champions. Putain, elle est en mode jouissance totale là. C'est une grosse fesse, va. Va maigrir, fait le régime. On dirait trop l'épisode de South Park où les gens ils ont le cul à la place de la tête en fait. Je sais pas si vous connaissez. Hein. Yeah, fuck it! I win! Yeah! I am parlé very good anglais! Voilà. Alors là, ça m'étonnerait qu'on ait l'or quand même, vu que je suis mort une fois. J'ai le bronze, ça va, mais oui. Frappez-moi aussi, non? Dites que je suis une merde! On va avoir droit à une cinématique, je pense, là, donc je vais devoir me muter. Tant. Sorry, did I say something? Catherine. I did? well, It's okay. But it's a bit embarrassing. It is? You haven't called me by my name before, have you? Your name? Catherine? What is it, Vincent? nothing. Are you fucking kidding me? Hey, are you angry with me? Sorry for coming by out of the blue. Wait, so she just crashed here? Well, I'm more surprised than angry. I thought that you'd want to see me, Vincent. I... Whoa, hey, hey! I couldn't keep myself away from you. Last night was amazing. It was the first time I've ever done something like that. What? Whoa, wait. What did I do? You're gonna make me say it? You're so kinky. Whoa, wait. Okay, time out. Time out. You've got 10 seconds. Okay, look. Why me? Because I like you. What about you, Vincent? What do you think about me? I think you're really cute. Thanks. What else? What else? Am I just cute? How do I put this? I'm kind of jealous of you. You seem to live however you want. What do you mean? That's normal, isn't it? Vincent, you can live however you want, too. Just so long as you never think of cheating on me. Cheating? Listen, Catherine. There's something I gotta tell you. Oh.
Come on. Hey. You think you look good in those? Yes. Quit joking around and listen. This is really important. Sorry. This month, I'm running really late. Huh? I think I'm pregnant. Say something! Sorry, So, what are you thinking? So why am I sweating? I mean, I have to take responsibility, right? Come on, say something! Of course I'm happy, but... But? This is great! So you're happy. That's good to hear. To be honest, I was a little worried. It's so hard to tell what you're thinking sometimes. Oh, don't worry about me. I mean, yeah, it's surprising, but it's not like you're sure of anything yet, right? Well, yeah. Huh? Go ahead, answer it. Okay. Hello? Oh, hello. It's me. Hello. Thank you for calling. What are you doing? Hey, I'm in the area. You think we can meet up? Yeah, that's going to be a little difficult. Aw, you mean you can't? Where are you right now? How did she get my number? I gotta hang up or she'll suspect something. What's that? Hello? You're breaking up. Oh. What was that? Huh? Just a call from work. Said something about a bug. But it got cut off. You know, the reception isn't very good in the office, but it didn't sound urgent, so... Not that. Your phone. Did you get another one? Huh? Oh, this! Yeah, the new model came out last week, so... It hasn't been that long since you got your old one. You could have still used it. Didn't you buy a new computer a little while ago, too? You always throw your money away. You're going to have to watch yourself from now on. You know what I mean, right? Right. Sorry. Well, it's okay since you've been working hard. After all, I might have to take maternity leave. Yeah, you might, huh? Oh, but I plan to go back to work after having the baby. We'll just have to split up the housework, okay? You can't throw your clothes everywhere anymore. Oh, okay. It's a woman's job to get married as soon as possible. Another woman? It's a man's job to stay single as soon as possible. It really ticks me off. I'm gonna curse him to death. Maybe his name will appear in the words from someone. Waiter! So you need to make sure you're saving up. And all your late-night drinking isn't cheap, you know. So I'll be handling all our bank accounts. Well, that voice. Listen to me. I'm listening. My stomach hurts really bad. So I'm gonna go to the bathroom. Vincent, you've been acting weird today. No, I'm fine. I'm fine, really. No, I don't mind being in the smoking section. Hey, is this the smoking section? Huh? Well, yeah. Right. You've gotta quit smoking too. It's not good for the child. Bathroom gotta go right now! I'll ask my parents when they'll be available.
can't believe she didn't catch you. Still, if she's pregnant, your life is fucked with a capital F. It's not fucked yet. I mean, nothing's set in stone. So then, why'd you tell her? Who's the father? Told her I was happy to hear about it. It doesn't look like you're happy at all. This is all getting too much for me, you know? So you're finally tying the knot. Congrats, Papa. Get ready to kiss your wife's ass for the rest of your natural life. No going out late, no liquor, no smoking, no gambling. No relaxing on weekends because you've got to take care of the kids. Really? Dang, that sounds really tiring. Hey, you guys. Quit filling his head with doom and gloom. Erica! Come on, cheer up. Raising a nice, happy family is supposed to be a good thing, right? A happy family. Never had one of those before. Yeah, I can't see it. Yeah, well, you're not the only one. That's irrelevant. It's just because of the way you two grew up. So, Vincent, what's this weird dream you said you had? We'll listen to you tonight. Weird dream? Why are you asking now? I really can't remember it anyway. You don't? I was being chased by something. I don't know, it was scary. Sounds common to me. Hey, excuse me. Yeah, and you feel like you didn't get any sleep at all that night, right? Excuse me. Oh, what are you doing here? Did you people know the reason you're taught as a child to count sheep so you'll fall asleep is... Yeah, sheep rhymes with sleep or something. Ah, sorry. Hey, boss, another rum and cola, please? Hey, don't be so rough on the guy. One day we'll all be old farts like him. Not all of us. Anyway, you're having these weird dreams because you're cheating. Yeah, I get that. But... Besides, Catherine might be pregnant, right? Don't need to remind me of that. It is in a man's basest instincts to cheat. Here you go. Enjoy. Yeah, set it down and walk away. It's about what happens now. Well, have fun while you still can. Please. Alors, je voudrais ça. D'accord. Bon, alors, on a appris plein de choses dans la cinématique. Donc, on a appris d'abord que Catherine, avec un K, est peut-être enceinte. On a appris aussi que Vincent avait vraiment une relation avec Catherine la blonde. On l'a vu dans sa chambre et tout, ils étaient à poil tous les deux, et puis je vais pas vous faire un dessin, hein. Donc voilà, puis bon, on va voir un peu ce qui se passe. Donc pour le prochain épisode, on va rester un peu dans le bar, on va rester après que nos trois collègues les fous là partent chez eux, parce que là dans cet épisode on est directement parti. Donc je pense que dans le prochain on va rester jusqu'à que Catherine la blonde arrive. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ce troisième épisode vous a plu. Donc j'espère que j'ai pas dit un peu trop de conneries, et puis voilà. C'est vrai que j'ai dit pas mal de conneries en fait. Oui, je vous prie de m'excuser à genoux. Non, je déconne. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter, à vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, on se retrouvera pour l'épisode numéro 4. Je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde! どんなとこでどういう王になろうと勝手だけどな。海賊の王者は一人で十分だ。